Wow. Ça, c'est la magie du matin, parce que tu te réveilles, tu rentres de nuit dans un endroit, t'as aucune idée de ce qui se passe, t'as aucune idée de ce que tu peux voir. En fait, t'es bon. Fait qu'on va se carto pour savoir où est-ce qu'on est exactement, là, ça serait bien. Je vais me faire manger par la mousse. Ok. Bonjour ma gang de Pafin, c'est Doomxie89, on est de retour dans The Long Dark pour notre épisode numéro 31 de notre Let's Play. C'est la saison 5, on est dans le Canyon des Sandes. Dans les derniers épisodes, on a cherché notre chemin en vain pour atteindre la mine d'or. Il semble qu'on peut pas y accéder de ce côté-ci, il y a pas l'air d'avoir de cavernes ou quoi que ce soit. Fait que là, mon option était de, si on retourne vraiment dans le temps de quelques épisodes, on était sur en haut, là, sur les ponts et tout ça. Puis j'ai décidé de prendre le chemin à gauche qui m'a mené à la crotte ici. À un certain moment, après un pont, là. Puis on avait aussi l'option d'aller à la droite. Je vais prendre essayer d'aller voir vers la droite, qu'est-ce qui se passe. C'est mon chemin, en tout cas, pour la journée. Est-ce que ça va être ça le bon passage? Je sais pas. On va voir. Faut croire. Donc c'est ça. Fait que je vais remonter dans le fond la chute et tout ça. On repasse dans la caverne. On se regèle les fesses sous l'eau. Dans la caverne. J'ai pas regardé si j'avais du carburant ou assez de choses pour m'éclairer. Ah, j'aurais dû me faire une torche, par exemple, ça aurait été bien. Mais bon. J'ai quand même bien des choses pour m'éclairer. J'ai pas ma lampe tempête, mais j'en ai pas besoin en fait. Parce que de toute façon, je n'ai pas. J'ai plus de carburant quasiment. Ah, c'est pas ça que je vais faire. On s'en vient un peu plus limité dans les ressources là. C'est quand même. Sur certaines choses. Mon gros problème, c'est les vêtements là pour l'instant. Là, je dois. Bon, on n'a pas de visibilité, hein. Je sais même pas si je suis parti de ton bord. Mais je dois remonter la rivière dans le fond là. J'espère que je suis parti de mon bord. Une chance sur deux. C'est une espèce de petite île à quelque part. Ouais, ici. On est peut-être rendu là. Loin que ça, donc on peut pas se diriger visuellement, fait qu'on va se diriger avec le son. On descend, c'est pas mon sein. On est supposé monter, d'après moi je suis parti de mon bord. Clairement pas du bon bord. Bon, ok. Au départ. Il y a une chute, si on entend quand même. Ok, bon. Et là, cette carte-là est vraiment difficile à naviguer. Parce que la moitié du temps, on voit pas où est-ce qu'on va. On doit quand même continuer à progresser et à avancer. Là, donc, c'est pas facile. Il y a un challenge, puis le fait que je sais pas où je m'en vais, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce feeling là. Étant donné que les autres cartes, je les connais quand même assez bien, c'est relativement bien. Du moins, tu sais, t'as des points de référence quand même que tu connais. Si je connais pas la carte à 100% de A à Z, je connais certains points de repère pis comment me rendre d'un point à l'autre. Là, je suis complètement mêlé là.
Mais je peux pas, même si on a du brouillard aujourd'hui, je peux pas me permettre de pas sortir en me disant ah, on va attendre que ta visibilité soit plus belle. Ça arrivera pas. On va avoir de la visibilité plus belle pendant quelques heures, puis après on va avoir un sacré. What the hell is that? Ça allait là, quoi? Hey, je suis complètement mêlé. Je suis perdu! J'ai des chevreuils. Des chevreux. Ok, ma roche. Paravent, on va dire. Je dois aussi. J'ai un autre objectif là. Ça sera peut-être pas dans la journée, mais je dois trouver éventuellement. Des animaux. Moi, je dois chasser des animaux pour faire des fourrures, des boyaux, pour faire des réparations, pour faire des vêtements. Parce que on s'en vient assez limité. On n'a pas assez de fourrure. Ah, mon dieu, j'ai pas vu. Je suis passé juste à côté, je suis sûr. Je savais que je m'étais laissé une flèche. Je savais pas où pour me dire dans quelle direction aller. Donc, ok, si on descend, si on veut remonter, c'est vraiment beaucoup plus large. La glace est plus large. J'ai vraiment hâte de trouver les crampons. De tester ça. Savoir qu'est-ce que ça nous donne pour de vrai. Voilà, je suis tout loin. On va monter ici. Du baril, il y a un baril, il me semble. Pas du feu. On me part un peu. C'est un peu drôle, je comprends pas pourquoi c'est là ça, mais bon. Écoute, ça allait quand même bien là, les moments où ce qu'on était en haut sur la falaise, sur les falaises, d'un pont à l'autre. Rendu en bas, ça s'est corsé là. Parce qu'on a pogné la peut-être parce qu'on a pogné la bonne météo en... quand on est en haut, on avait une visibilité un peu en bas, on savait où est-ce qu'on s'en allait un peu. Passer pour la 3e ou 4e fois, je sais plus, 5e ou 6e fois. On regarde. Écoute, on connaît le chemin. On ne peut pas y arriver. Non. Je la connais la carte. C'est beau. C'est important que je puisse le faire ailleurs où ça va me servir. Si je pense que ça va un peu mieux. Oh non. Est-ce que je gaspille mes balles? Je comprends pas, il s'est mis à courir vers moi, mais comme s'il essaie de se sauver, mais en direction vers moi. Ça, là, il est complètement en délire. Là. Je vais le coucher. Parce qu'il va quand même mourir au bout de son sein, non? Oui. Et j'ai coté 2 secondes. C'est ça le sens du monde. Merde. Le pire tireur de l'ouest. Il est touché en tout cas. On passe trop là. J'ai-tu besoin des fourrures? Les fourrures de loup, j'en ai pas besoin. C'est chevreuil, j'ai besoin de faire les pantalons. Puis... on va faire un casque.
avec Vivian, mais là c'est juste des loups que je croise. Fait que là, ultimement, là, ok, c'est parce que la mine là, est là-bas. Là. Et passer cette falaise-là. Fait que j'aurais pensé que ce lac-là allait nous mener, mais il y a une chute ici, tu sais. Ok. On retourne dans la caverne. On remonte en haut. Oh, je suis un peu vu, ça, je pense. Ah oui. Des plumes. Je suis en train de faire sécher du bleu pour me faire des flèches supplémentaires. Je vais avoir une plume. Des plumes de flèches, mais. Je sais pas si j'en ai. Ou de quoi en faire en fait. Hein. Ça, je sais pas encore. La ferraille que ça me prend, là. C'est quelque chose que je trouve assez facilement et que je ne ramasse pas. Parce que c'est pesant et j'en ai pas besoin autant. Quand j'en ai besoin, ben. Je regarde quelques morceaux pas plus, là. Bon, fait que notre grotte est ici. Merveilleux. On a trouvé plein de grottes, mais pas des intérieurs comme ça. Bon, ici, il est fait tout noir. Je veux pas m'allumer de quoi à long terme non plus parce que je sais qu'il y a une chute là. Et voilà. Oh, c'est au cours. Bon, là, je vais m'allumer une torche. Force comme à perdre notre lumière pendant un moment. Là. C'est cool comme idée par exemple, parce que là t'arrives, bon, ça reste la chute, là, tu tombes super froid, tu te réchauffes. Heureusement, on est quand même bien habillé pour être à l'intérieur, donc pas un stress. Je sais pas. S'il y a c'est plus qu'un chemin, il me semble. D'ordre général, il faut que je grimpe, ça c'est sûr. Tellement souvenir du chemin de l'orange. Oh. Ah merde, là je vais brûler ma torche. Pour oh, rien, ça me prend cette fourrure. Ok, ben tant pis, hein. Bon, genre une heure. Une corde d'escalade à l'intérieur, je me souviens tellement pas de ça. On va se faire un feu. On va se faire de la lumière, en même temps, on va se faire cuire notre viande tout de suite. Je me sais tellement pas d'avoir descendu une corde dans la caverne. Faire une torche. Hein? Ça me fait un chaud en train de temps. Bon, mais semble-t-il que je n'ai pas le choix. Hein? Pas d'autres obstacles. On va atteindre ça qu'on va le donner tout. Ah, faut que j'aille. C'est ça, tant qu'à prendre ça de l'eau. Parce qu'en surcharge.
Ok, là, ma surcharge. J'ai ma viande de l'autre fois. C'est l'orignal. Hey, écoute, c'est parce que ça fait une couple de semaines que j'ai pas touché à cette partie-là. On est officiellement encore en surcharge. On est fatigué en plus, fait que écoute, on va s'installer. Faire un petit dodo site quelque part. Je perds mon temps de clarté, c'est ça qui m'énerve. Ça me gosse. Donc à venir jusqu'à maintenant, on a eu plus de chance avec faire la nuit au complet. Là. On a eu plus de chance avec le durant la nuit que durant le jour, tellement que c'était pas les conditions faciles à l'extérieur. Ok, là, je devrais pas être en surcharge. De scan. On fait ça dans le noir. On n'est même pas grimpé dessus. Ou ben on n'est pas grimpé dessus, ou ben on a monté super vite. Non? On n'est pas grimpé dessus pas en tout. Je pense avoir cliqué, mais. Good, garde. Ah, ok, on l'a fait. Et tout petit. Y a-t-il une autre option pour grimper? Non, c'est vraiment ça. Bon, écoute, c'est quoi ça, hein? Il semble que c'était plus long que ça comme une caverne. Ok, je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'on est à la bonne place. Ouais, c'est ça, c'est bon. On avait le grand pont. Ici que j'avais marqué matériaux. Je sais pas si j'avais laissé des choses. Je sais pas si je suis coincé. Sortez-moi de là. Vous êtes pas sérieux là? Ok, bon là je reprends d'où ce que j'en étais rendu. Parce que je suis resté coincé sur le pont entre deux planches, je sais pas pourquoi. Ça prend un peu ça m'arrive dans le jeu là, fait que j'ai Alt F4, fuck it, on coupe ça, je vais pas rester pris puis scraper ma saison, je peux pas vraiment récupérer. Où est-ce qu'on était? Oui, on est bien retourné. Où est-ce que je voulais retourner? Puis là, si je dis, on a comme deux options. Pas aller à gauche, je suis à droite. C'est ici, je suis allé à gauche. Là, je vais faire attention à ce que je mets les pieds. Je vais aller voir. Je sais que j'avais laissé tout mettre à certains endroits. This will come in handy. L'escalade que j'ai, c'est là. Je vais vraiment être moi. Moi, je pense que je suis méga surchargé. Là. Puis ici, il y avait un peu de camp. Puis j'avais laissé tout matériel, on va voir tout ce qu'il y a d'intéressant en haut. C'est des choses qui peuvent m'intéresser en ce moment. On va les prendre, sinon, ben, c'est ça, c'est pas plus que ça. Corps d'escalade, je pense que c'est ça. Ah, tu peux. J'ai pas mal, c'est ça.
dans ce monde. I'll take it. Je pense que j'en ai besoin. J'ai des coutures aussi. La peinture, ça dit quoi? On est correct, on est en pleine. L'arc, on peut le laisser ici. Je vais checker si j'ai pas des cendres d'un petit camp. Merveille, bon. J'ai essayé de s'orienter à cette heure de nuit, c'est très très sympathique. Comme pas trop de place où on peut aller de toute façon, fait que on n'a pas trop à s'inquiéter pour ça. Je crois, on va suivre la parole. Ok, bon, là, qu'est-ce qu'il y a dans la torse, évidemment? Parce que j'ai trop ramassé encore, mais là j'ai une corde d'escalade, c'est ce qui arrive. Déjà c'est 5 kilos, hein, juste la corde. Mais c'est pas ça, ça se peut, j'ai besoin de la poser quelque part. Il y a des endroits où j'aurais pu la poser, je pense, depuis le début que c'était ici. Je suis un peu déçu par exemple de faire ça de nuit parce que je vois pas les beaux paysages puis je peux pas carton vraiment où que je m'en vais. Mais bon, on voit que c'était fait pour passer ici, là, c'est pas. Il y a des ponts, donc c'est pas un passage broche à foin inventé par un joueur. Je crois que ça, s'il n'y a pas de quoi d'écrit sur la pancarte. I'm not sure I can carry much more. Okay, il y a un ours qui passe par là. Il y a des carcasses de main. Pas bon signe, faut pas faire attention. Squelette en plus. Pas sa première fois, on va essayer de pas être sa prochaine. Ah, on va encore brûler. Comme ça, on voit le pont qu'on a traversé tantôt. On a des signes de civilisation. J'ai pas l'impression qu'on se dirige en bonne direction, en fait. Si on regarde, là, on est parti de ce pont-là, puis on s'en va comme par là-bas. Là. Traverser, puis on a longé ici pour redescendre. Je pense qu'on a trouvé notre ours. Milieu de la nuit en plus, c'est pas proche d'avoir de la clarté. Mais la météo est favorable, fait que je vais pas faire avancer. Je sais que j'ai utilisé la base d'un arbre de racines pour protéger du froid, du vent. Je sais pas
pense que j'étais à la même place. Sûrement pas. Oh my god. Ok. Bon, ben c'est pas mal. Je sais pas qui m'avait écrit dans les commentaires dans la dernière vidéo là. Il y avait un ours puis un village. Puis ben, je pense que j'ai. La brique du Nord. Je pense que j'ai pas mal trouvé qui me décrivait là. Fait que, grosso modo, j'ai pris le mauvais chemin. Puis ça m'a vraiment pas apporté à la bonne place, mais. Moi, on a découvert des trucs là. J'avais découvert la cabane de pêche puis tout ça là. On a une établie ici, si jamais on veut s'en servir. Sauf que c'est à l'extérieur, mais bon, à l'abri du vent, ça se prend toujours bien. Bois de récup, je vais le prendre parce que je peux faire des meilleures touches. Si j'ai le carburant. Ouais. Des lapins, autour, des gueules. This stuff will come in handy. Je vais pas les défaire pour faire de la ferraille et faire des flèches, des points de flèche. J'ai besoin de ferraille, ça va me donner. Donc là, pas la place est beaucoup bleue. Ça, je suis allé là-dedans. Je le récup. Puis on a une partie, une petite cabane à l'intérieur. Ok. Bon. Fait qu'on est pas où est-ce que je pense, où est-ce que je voudrais être nécessairement, mais on a trouvé de quoi d'intéressant pareil. On va dormir un petit 4 heures. On devrait être sur le bord d'avoir de la clarté. Je pense pas qu'on a vraiment de lumière dans cette maison-là. Ok, d'abord. Faire la grosse matinée. Et là là. Wow. Ça c'est la magie du matin où ce que tu te réveilles, tu rentres de nuit dans un endroit, t'as aucune idée de ce qui se passe, t'as aucune idée de ce que tu peux voir. En fait, la visibilité est bonne, fait qu'on va se carto pour savoir où est-ce qu'on est exactement, là, ça sera bien. Je vais me faire manger par la mousse. Ok. J'ai vu comme une boule noire se promenant en vitesse en surbo avec l'accélération des choses. Et il va. Ce qui me gosse, c'est pas le fait qu'il va me faire mal, c'est qu'il va tout décrisser mes vêtements. J'ai eu peine et misère à les réparer. Ah là. I'm gonna bleed out soon. Gotta stop the bleeding before it gets worse. Okay. Hémorragie, évidemment. Ça, c'est le principal, le reste, c'est plus secondaire. Risque d'infection, risque d'entorse. Ben, risque d'entorse, c'est le poids qu'on a sur le dos. Tasse de café. Registre de mines. C'est vraiment de l'or. Il y en a des quantités pas croyables. Jesse veut aller encore plus loin, mais on attend que le contremaître nous donne le feu vert. Le filon qu'on a trouvé a l'air de ne pas avoir de fin. Il faut juste qu'on fasse attention. Ça va s'effondrer, I guess, hein? On a du bois, du carton, on a foot, c'est pas vraiment grave, c'est des choses, c'est des vêtements. Hope nobody needs this anymore. Ça va être utile. Non, il n'y a pas de rideau. Un rideau. Ok, ça c'est merveilleux. Ça peut pas nous sauver le cul encore pour un petit peu. Ça pour... Oh, Jane, parfait. I think I can use this. Ok, good. Bon, on va se remettre en mode. On va se patcher là. Parce que c'est. 84, 95. Ça va, mais il y a un mangeur à voler.
Je peux pas ne pas avoir de gants. Ça signifierait risque de dangereux. Regardez tout, 27%, pas plus. C'est que j'ai topé. Ok. Ça, je prends du cuir, ça, je suis pas. Faudrait vraiment pas qu'elle brise, hein? I would drink almost anything about now. Ça, ça vaut vraiment pas la peine que je les. Que je les répare. Que je les entretienne. La fourrure de serre que j'ai pas. Je vais garder mes bottes. Putain, je vais faire ça. Je vais garder. Je veux pas qu'ils tombent à zéro, là. Ils sont à 8%. Il reste du tissu, c'est ça qui me manque, c'est du tissu et des vêtements. Deux morceaux de tissu, j'ai un bandage, il faut absolument que je fasse un autre paquet de bandages. Parce que c'est juste un bandage, c'est pas suffisant. Voyons, crafting. On va en venir à bout. Pansement. J'en crafte deux avec un morceau de tissu, merveilleux. J'ai pas le choix, j'ai pas d'autres options. Risque d'infection, on a dessus. On a ça avec nous, merveilleux. Ça va s'aller juste si c'est pas pour amener cette salle. Ok, bon. Bois un peu. On va faire. Merde, commencer la journée blessée, c'est un peu tannant. Avec tout ça, j'ai même pas pu regarder ma carte. Fabrique du mineur, fait qu'on est là. Je vais aller à la mine là-bas. Vraiment pas dans le bon bout, mais il y a une grotte. Non, ça c'est la grotte que j'ai vue. Mais il y a de quoi là-bas là? On va essayer de voir les alentours. Merde, je peux pas sortir. Si je ressors demain, il me fait dessus par là. C'est l'oursier qui est encore là. Il fait. Il fait beau en plus dehors. Marde! Dilemme. J'ai-tu une tisane? D'écorce. J'ai pas d'écorce de boulot sur moi. Quand j'ai passé la dernière. Pas d'autre rideau. Ah, y'a un autre là. C'est important. On a du tissu, ça m'en prend bien. Okay, on va faire ça, là. Ça va monter un peu. Idéalement, il a fallu que ce soit. Que je suis au-dessus de 50%. Là. Bon, faire une tentative. Je pensais pas que l'ours allait venir proche de même de la civilisation. This will come in handy. Oh my god, tu dis tout que ça va être utile. Grosso modo, ça, je pense que c'était le campement des mineurs où est-ce qu'eux autres vivaient.
peux venir trouver quelque chose à l'entour, je sais pas où. J'ai du charbon en masse qu'on va carto. Ok, fait que ça c'est l'endroit où on est allé, la grotte des de la chute. Ah ben il y a un pont là. Bon. On va voir ce qu'il y a du côté du pont. Hein? Se repérer dans cette carte-là, il y a beaucoup de. Il y a plus qu'un pont, hein? C'est pas celui-là. Ah, ça déclare. Ça, c'est éclairci un peu mieux ma carte. Fait que, grosso modo, on est vraiment pas passé par les bons chemins. Je sais pas si. Ici, ça passait dessus. Parce que là, on est passé par en haut pour arriver ici. On est en haut ici, on est sur le pont là. La grotte a accès par en bas. Avec la carte vue en 2D, c'est assez difficile de deviner qu'est-ce qu'il y a. Doucement. Doucement, je pense que c'est le plus long pont à date, puis je suis pas mal. C'est un peu plate de mourir d'une chute. Du boulot. Donc, il y a quand même un truc à faire en hein. Ah, c'est vrai que je vais récupérer au chemin du retour. Il est marqué sur la carte de toute façon. Ah, j'aurais dû laisser une fourrure sur moi. Puis, du boulot, j'aurais dû laisser ça dans la cabane au camp des mineurs. Hein. Pas penser à mon affaire ben bon. Ça redescend, t'es en train de me dire qu'on redescend. Ça connecte avec ce pont-là, peut-être. Bon, il y avait la photo. C'est un peu un gros mystère. Ok, ça ressemble à ça pour l'instant. Il n'y a pas d'ossement, fait que je suppose qu'on est sécuritaire. Il y a ma montre. I'll take it. Mais ultimement, c'est pas ça que j'ai le plus besoin. Ah, c'est un peu niaiseux. C'est ça. Tout bas. Oh, yeah. That's a good one. Ah.
Ça retire même pas du temps sur mon feu d'habitude, il me semble que. Ça retire du temps. Ah, sur 10 minutes, oui. Torches, sinon je peux les crafter qui ont la durée, vous voyez la durée est limite là, pas longue là. Mais okay, j'ai pas besoin de tout ça, je peux les laisser là. J'ai pas oublié de l'eau pendant un moment, je sais pas si quand est-ce que j'ai rien piqué. C'est vraiment drôle que c'est vraiment à longue. Ah, j'ai même pas carré l'entrée de la grotte. Hein? On va trouver. C'est de l'érable ça, les verres de même je crois. Ouais, c'est de l'érable. L'eau dans les blancs noirs évidemment. Donc, l'eau. C'est bien, hein? J'ai une rivière. Un petit ruisseau plutôt. Hein? Si mon feu on descend. Ah oh, mon gars, il y a un abri là. C'est moi qui a fait ça? Ok, sûrement pas. Je suis jamais venu ici. L'entrée est là. Ça, une corde. J'en ai encore une sur moi, hein, je vais laisser là. Là on a un endroit pour dormir pour la nuit. Si la demande s'en fait sentir. Es-tu marqué? Je suis marqué sur la carte. Suis-je? Peut-être on va se faire un. Okay, on va se faire un marqueur avec la peinture. Hein. Danger fouillé, allumage de feu, premier secours, nourriture. Je fais un truc avec 40 mètres. Ce qui serait intéressant là, c'est qu'on pourrait faire des custom, des marqueurs custom. On peut se dessiner un marqueur ou disons que les choix sont ont plus d'options. Ouais, c'est bien gigantesque ce quartier, ça mène genre. What the fuck? Mène genre complètement en Chine. C'est une grosse vallée là. Ok. J'ai pas le goût d'y aller tout de suite avant. Je sais pas jusqu'où je peux aller. J'ai essayé de trouver le pont en place. Je vais aller voir le lieu de la photo là. Je sais pas si ça va me mener quelque part d'autre. Je sais pas si c'est comme une chasse au trésor pis il y a plusieurs photos. Il me semble qu'il disait qu'il y en avait plus qu'une. Fait que la carte est sur plusieurs niveaux, ça la rend tellement plus grande. C'est vrai, les deux. Je suis passé en dessous ce pont là une fois. Non, c'est ça les sites.
Ben en fait, ça oui, je suis sûrement passé en dessous. Ça, c'est si on descend la rivière à partir de la maison du pêcheur. Connu sous le nom de Ranzo, c'est là où j'en suis. Un bois d'animal. Oh, prairie. L'animal avance vraiment pas. Ça paraît beau, mais quand je fais de la carto, là, le temps avance. Hein. C'est 45 minutes. Je sais pas sûr. Au prairie. Fait qu'on est là. Vu du canyon des cendres. Mon Dieu, ils tombent bien les corbeaux, c'est. Est-ce que... Ah, oh, non mais tu me niaises. Sérieux, c'est ce chemin. Voyez là. On est parti d'ici, on a fait le tour, on a découvert le village, blablabla. On passe le pont, la grotte. Ici, l'autre pont, la photo. Là, il y a un autre pont ici. Là, je pense qu'il faut que je descende là-dessus, qui est un autre falaise. Un autre sur le top d'une montagne. Il y a un pont là, puis j'ai l'impression que si je longe... Je vais pouvoir suivre ces montagnes-là. Puis aller jusqu'à la mine. Ça peut être ça? Ça peut être sauvage, quand même. Si on regarde en temps réel, là. On a l'escalade ici. Je devrais voir le pont quelque part. J'aime pas trop le goût. Je vais descendre pour descendre. Une carcasse là. Et où? Ici j'ai les villes, la corde pour descendre. On va aller au couteau. Ça me fatigue pas mal. Je vais peut-être bien aller me coucher dans l'igloo pour la nuit. Et on va essayer ce chemin-là pour faire un prochain épisode. Ça fait quand même un bout qu'on roule. Plus qu'un bout, parce que j'ai une coupure aussi dû au bug du pont. J'ai juste à être sûr. Marquer notre point d'escalade. Je pense que c'est ça. J'ai eu du temps de le faire. Ok. On est méga fatigué. Je vais marquer avec la peinture ici. Puis le prochain épisode, on va essayer ce chemin-là. Écoute. De se passer à la visibilité pas très bonne, on est en couché de soleil, c'est un peu brumeux, je suis pas capable de voir le pont, je sais pas si je devrais être capable de le prendre. Finalement, je sais pas si on s'en va à bonne place. Descend par là, on s'en va par là. Je pense que c'est par là-bas. Ok, on va essayer ça, on n'a pas trop le choix. Je sais pas ce que je vais faire. C'est ici, on se marque avec un X. Notre point d'escalade. Ben, il faut le faire là. Fait qu'on va faire le tour de la carte 3 fois pour arriver ici. Alright, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, je n'ai pas de me le faire savoir dans les commentaires. C'était DoomQC89.
Moi, d'ici le prochain épisode, je vais aller me coucher dans les glous, puis on repartir de là. On se dit à la prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao! Thank you.